Grande mobilisation à faire que pour le président Alassane Ouattara. Les militants du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sont sortis écouter les responsables décliner le bilan de leurs candidats. La politique de construction d'infrastructures a permis de doter la région du Tchologo d'infrastructures de base, notamment en matière d'électrification et d'hydraulique. La région a bénéficié en particulier de routes qui relient les grandes localités. C'est pourquoi le ministre Tchéné Birahima Ouattara, frère cadet du président Ouattara, a délivré un message de mobilisation pour le 31 octobre aux militants. Le président Ouattara est originaire de la région du Tchologo et c'est le Tchologo qui doit porter le président Ouattara. Je dis à la population qu'il ne fallait pas se tromper de combat. Le président Ouattara, c'est le combat du développement. Depuis 9 ans, il a montré ce qu'il sait faire. Ce que le président Ouattara a fait en 9 ans, cela n'a pas été réalisé depuis 27 ans. C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se mente. Et pour ce faire, je pense que les populations du Tchologo dans leur entièreté, et plus particulièrement les populations du département de Ferke, doivent faire le bon choix, et le bon choix, c'est Alassane Ouattara. Convaincu des résultats tangibles du président Alassane Ouattara, qui ont changé la physionomie de la région et amélioré leur vie quotidienne, les militants et sympathisants ont fait leur choix pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Si venir ces meetings-là à cause d'Alassane Draman Ouattara, parce que j'aime Alassane, jusqu'à ma mort. Donc à cause de ça, je me suis débrouillée à venir. Sans quoi je n'ai pas pied. Mon pied là, je ne peux pas marcher si ce n'est pas à béquille. Donc je suis en train de souhaiter qu'il n'a qu'à voir longue vie. Rien qu'à voir la ville de Ferke-Sédougou. Le goudron est partout, les écoles de proximité, des classes sont construites dans toutes les régions. C'est de cela qu'il s'agit, c'est du développement qu'il s'agit. Et le développement de la Côte d'Ivoire passe aujourd'hui absolument par le président Alassane Draman Ouattara. En rappel, la région du Tchologo compte plus de 467 958 habitants, dont environ 130 000 électeurs et électrices. Les responsables et les militants du RHDP sont certains de pouvoir le convaincre afin que leur candidat, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui est natif de la région, soit élu avec une écrasante majorité. Au PDCI RDA, Kouadjo Konambertan, celui qui est considéré comme un trouble-fête, s'en va solidaire à la présidentielle du 31 octobre 2020. Déjà en 2013, il défie Henri Konan Bédié et se porte candidat à la présidence du parti. En 2015, il se dresse contre l'appel de Daoukro, une consigne de vote d'Henri Konan Bédié en faveur d'Alassane Ouattara et exige une candidature du PDCI. Même son de cloche en 2020 où il essaye de représenter le PDCI à cette élection avant d'être débouté lors du meeting du parti le 26 juillet 2020. Une débâcle de trop pour Kouadjo Konambertan qui arrache sa présence à ces élections en tant que candidat indépendant. Je plaide pour une dynamique d'union nationale, c'est-à-dire pour le rassemblement de toutes les forces, de tous les talents et de toutes les bonnes volontés qui veulent sincèrement contribuer à la renaissance de la grandeur ivoirienne. Dans mon pays, je peux avoir des adversaires, mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis. Seul contre tous, Kouadjo Konambertan entend aller jusqu'au bout du scrutin. Et ce, malgré les appels au boycott lancés par certains candidats de l'opposition. D'ailleurs, il s'en va vainqueur au scrutin du 31 octobre 2020 avec une chemise de promesses pour le peuple ivoirien. Candidat indépendant, il prône la réconciliation nationale et exige le retour de Laurent Gbagbo. Devrait être un moment précieux où entre ivoiriennes et ivoiriens, nous débattons et décidons pacifiquement de notre avenir.
Hélas, déjà des violences ont eu lieu. Déjà des affrontements sont à déplorer. Déjà les ferments de la division se répandent. Cette situation est le résultat de l'incapacité des partis politiques à se réformer et à renouveler leurs responsables. Né le 26 décembre 1968 à Lakota, l'histoire de Kwadjo Konambertan avec le PDCI débute timidement alors qu'il est au collège. À l'époque, le pouvoir du président Félix Oufouet-Boigné est secoué par une opposition naissante. Kwadjo Konambertan donne la réplique sur le campus avec la jeunesse universitaire qu'il contribue à créer avec ses amis. Celui qui se présente comme un produit du système éducatif ivoirien veut instaurer la méritocratie au sein de l'école. Issu d'une fratrie de cadres, il entend distribuer équitablement les fruits de la croissance. En mission en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle, une délégation ministérielle de la CEDEAO s'est entretenue avec les partis de l'opposition. Deux jours de mission au bout desquels la chef de la diplomatie ghanéenne, Shirley Botchwe, recommande aux candidats d'éviter les actes de violence. Le but de cette mission ministérielle était donc de poursuivre les engagements avec les principales parties prenantes dans le processus électoral, notamment les candidats à l'élection présidentielle, afin d'assurer l'inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus, afin de maintenir la paix et la stabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle prévue. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguessan, a profité de la présence de la délégation pour rappeler les revendications de l'opposition. Selon Afinguessan, opposant à la candidature d'Alassane Ouattara, l'opinion internationale doit prendre en compte les manifestations et les dégâts matériels occasionnés, notamment sa résidence qui a été incendiée dans la ville de Bongouanou. Donc c'est un régime qui a dépassé vraiment le stade de fonctionnement régulier de l'État et qui est maintenant dans une logique d'un régime de tyrannie, de despotisme et de harcèlement de l'opposition. Et il est bon que l'opinion internationale note cela. Les militants de l'opposition, eux, expriment leur soutien total à celui qu'ils appellent leur guide, Henri Conan-Bédier, et dénoncent le troisième mandat jugé inconstitutionnel. Ils se disent prêts à lutter pour arracher le pouvoir et instaurer la paix. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour refuser ce mandat, pour que Alassane Ouattara puisse renoncer et laisser la place à la nouvelle génération. Car c'est aller contre l'encontre de la Constitution de se présenter pour un troisième mandat. Donc nous, Ivoiriens, nous, jeunesse ivoirienne, nous refutons cela. Raison pour laquelle nous sommes mobilisés en ce jour pour envoyer un message fort au président Alassane Ouattara pour dire que la jeunesse ivoirienne refuse son troisième mandat. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non. Non à la forfaiture de Ouattara. Non à la dictature de Ouattara. Le troisième mandat est proscrit. Aujourd'hui, notre constitution limite les mandats à deux. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à briguer un troisième mandat, les tensions sont de plus en plus vives à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Divo, située dans la région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est la ville qui a accueilli le candidat indépendant Kwadjo Konambertan pour son premier meeting d'ouverture de campagne pour la présidentielle d'octobre 2020. Cette région est connue en Côte d'Ivoire pour ses richesses agricoles, minières et son brassage culturel. Notre région est une grande région agricole et une grande région minière. C'est une région qui est vaste,
puisqu'elle a 10 650 km² avec 17 sous-préfectures, 3 départements, 5 communes, 20 cantons, 203 villages et 4756 campements. La région du Lodibois est densément peuplée avec une population à revenus faibles dont les activités sont essentiellement tournées vers l'agriculture et le commerce. Depuis 2013, le président de cette région, Zapa Kobenan, compte sur les atouts de sa région pour mobiliser des investissements extérieurs pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Nous avons 4 candidats. Pour nous, il faut écouter tout le monde, tranquillement, sans faire d'histoire. Et puis le 31, aller voter tranquillement. Ce que nous demandons. Nous avons pris des dispositions justement pour encourager les jeunes, bien sûr, à s'insérer dans le tissu économique. Par exemple, l'État a construit une usine. Une usine pour le décorticage du riz à Dagrom. L'usine a coûté un peu plus d'1,2 milliard. Bon, l'usine n'est pas encore ouverte, donc nous sommes à la recherche d'investisseurs qui pourraient prendre cette affaire. Mais je vous le dis déjà, c'est au moins, près de 300 emplois, n'est-ce pas, pour des jeunes. Pour le président Zapa Kobenan, la réalisation de tous ces projets de développement dans le domaine des infrastructures routières, la construction de centres de santé, la construction d'établissements scolaires, la modernisation de l'agriculture, l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes passent nécessairement par des élections présidentielles apaisées et crédibles, gage d'un développement harmonieux de la région du Lodibois.